Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'émission équistique qui vous amène au jardin botanique de Kisantu pour parler de l'attraction touristique de ces jardins. Et nous sommes bien honorés ici où nous recevons le directeur chef de site, M. Erickson Malouéki, avec qui nous allons échanger cette question, la question bien sûr liée à l'attraction touristique. Et comme nous sommes déjà avec lui sur le plateau, nous lui disons bonjour, M. le directeur. Bonjour. Vous allez bien, M. le directeur? Je vais bien. Avec vous, nous allons parler de l'attraction touristique du jardin botanique de Kisantu. Ben avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez nous parler du jardin botanique de Kisantu d'une manière générale. Le jardin botanique de Kisantu, plutôt, c'est une aire protégée, gérée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Cette aire protégée a une superficie de 225 hectares. Cette aire protégée gère des collections de plantes. Le jardin, ce jardin a été créé en 1900 par un frère jésuite. Et puis, vers 1975, le jardin est devenu propriété de l'État pour être géré par l'Institut des jardins zoologiques et botaniques du Congo. Et puis vers 2011, le jardin maintenant est géré par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Jusqu'à 1975, le jardin avait une superficie de 100 hectares. Quand le gouvernement congolais a récupéré, a commencé à gérer le jardin botanique Santo, le gouvernement congolais a ajouté 125 hectares, raison pour laquelle aujourd'hui, le jardin a une superficie de 225 hectares. Dans ce jardin, la plus grande spécificité est parce que pendant son évolution, il y a eu beaucoup d'introductions. Il fallait introduire les plantes alimentaires et puis les plantes pour l'agriculture parce qu'il fallait quand même résoudre un problème d'alimentation à l'époque. Et deuxième vague d'introduction, c'était les plantes médicinales pour résoudre les problèmes de maladies, par exemple la malaria, la lèpre, la maladie du sommeil. Et puis la troisième vague d'introduction, comme la ville de Kinshasa commença à devenir de plus en plus une grande agglomération, vous savez qu'à Kinshasa, il y avait la partie Gombela et la partie Gombe, puis la partie indigène. Et la partie Gombe, il fallait aménager. Et cela a nécessité, au niveau du jardin, l'introduction de plantes ornementales, données ornementales. Et puis, notre problème, le problème des bois d'œuvre, le reboisement, tout ça. Et puis, on a commencé à introduire les plantes de bois d'œuvre, raison pour laquelle, dans ces jardins, nous avons une collection de 200 espèces de bois tropicaux. Donc, comme c'est un jardin centenaire, vous avez des plantes qui ont à peu près 100 ans dans ces jardins. Parce qu'à l'époque, c'était une savane. Maintenant, c'est vraiment une forêt. Une forêt, sur place, vous avez des essences locales, vous avez des essences exotiques. Ce qui donne la facilité à ces jardins de mettre à la disposition des concessionnaires forestiers des matériaux végétaux qui peuvent être utilisés au reboisement. Donc, ça, c'est un grand atout du côté collection des plantes. Donc, nous avons des collections de plantes médicinales, des plantes alimentaires, plantes hautes à chenilles, bois d'œuvre. Donc, plusieurs collections. Et aujourd'hui, nous continuons à introduire. D'ailleurs, beaucoup d'essences ont hanté la phase de sénescence, c'est-à-dire qu'on vit. Raison pour laquelle, quand il y a une petite intempérie, il y a des bois qui tombent. Et qui tombent. Maintenant, nous avons commencé à renouveler. Nous avons déjà commencé à renouveler toutes ces essences-là qui ont vieilli. Parce que, comme je vous ai dit, depuis 1900, on avait commencé à introduire les plantes au sein de ce jardin. À ce qui concerne l'attrait touristique, mes chers amis, dans ce jardin, vous trouverez, comme je dis, des plantes centenaires, des plantes majestueuses, des arbres majestueux, gros, de grande taille.
Parfois, c'est difficile quand vous quittez Kinshasa, quand vous venez jusqu'ici, de trouver une collection de plantes, mais une plantation où vous voyez des gros arbres et des grands arbres comme à l'Équateur, par exemple. Mais dans ces jardins, vous trouvez des plantes majestueuses, des arbres majestueux, gros, de grande taille. Ça, c'est vraiment un attrait. Il y a plusieurs panoramas. Le paysage est beau, il fait calme. Il y a des logis que nous sommes en train de construire pour recevoir nos touristes vers la rivière Inkissi, parce que à l'ouest des jardins est longé par la rivière Inkissi. Donc nous sommes en train de construire de l'hébergement, de ce que nous appelons des chalets pour touristes. Et puis nous sommes en train aussi de construire une embarcation. Ça sera pour des randonnées fluviales au sein du jardin. Ça sera un outil pour nous, un outil important pour la sensibilisation des populations riveraines. Et puis c'est aussi une occasion d'échange entre les populations riveraines et les touristes. Au sein du jardin, nous avons 12,5 km de pistes touristiques. Les gens qui veulent bien marcher, qui aiment marcher dans la nature pour des randonnées pédestres, ils peuvent venir au sein de ce jardin. Nous avons un restaurant-bar. Quand il s'agit de manger quelque chose, nous avons un restaurant-bar qui met à la disposition de nos visiteurs, de nos touristes, quelque chose à manger. Nous avons même une pépinière pour les concessionnaires forestiers, les gens qui ont la vocation de reboiser, parce que pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais mes chers amis, il y a une pépinière ici, une pépinière avec des plantes à reboisement. Venez, quand vous venez visiter le jardin, vous ne serez jamais déçus. Alors, monsieur le directeur, vous parlez presque de beaucoup de choses très importantes aussi. Mais parmi les choses que vous avez citées qui concernent l'attraction touristique, vous évoquez 12 pistes, 12,5 km de pistes où les gens peuvent faire les randonnées, les gens peuvent découvrir ici. Mais en dehors de plantes, qu'est-ce que les touristes peuvent découvrir au sein du jardin botanique? Et ici, nous parlons d'un jardin botanique. C'est d'abord les plantes. Je parlais des plantes majestueuses, des gros arbres et de grande taille. Vous les trouverez dans ce jardin. Vous trouverez, par exemple, laissez-moi vous faire rire, des plantes dinosaures. Des plantes qui ont apparu pendant la période des dinosaures. Si on avait la capacité de se communiquer avec les plantes, ces plantes pouvaient nous raconter comment les dinosaures ont vécu, parce qu'ils ont apparu, ils ont existé pendant la période des dinosaures. Nous avons une plante qui marche. Vous serez étonné comment une plante peut se déplacer. Nous avons une plante qui marche. Donc, il y a une diversité vraiment des collections. Les gens qui s'intéressent aux plantes hautes à chenilles, des plantes à chenilles, donc les plantes qui nous aident à faire l'élevage de chenilles. Ici, je parle de chenilles comestibles. Il y en a. Des plantes mellifères. Les gens qui aiment faire l'apiculture, hein, ils peuvent découvrir ici des plantes qui sont facilement visitées ou butinées par les abeilles. Hein. Et les abeilles butinent ces plantes-là. Ils prennent le grain de pollen, ils prennent le nectar, hein, ainsi de suite, pour la fabrication du miel. Nous avons des plantes médicinales ici. Nous avons les plantes collections de bois d'œuvre. Donc nous avons plusieurs collections. Des plantes ornementales, il y en a. Ça, à ce qu'on sait des plantes, c'est pour ça qu'un jardin botanique, c'est d'abord les plantes. Quand nous parlons de jardin botanique, ce que les touristes doivent savoir, que j'entre dans un jardin botanique, ce que j'irai voir là-bas, ce sont d'abord les plantes. Mais ici, ce sont des plantes bien aménagées. En collection, sont aménagés en collection, regroupés, rassemblés pour répondre à des thématiques, à des thèmes.
Donc, c'est un peu ça. Hormis ça, quand tu sais, les gens qui aiment parfois marcher, qui aiment marcher dans la nature, ils trouveront un cadre approprié. C'est pour ça que je parlais des pistes touristiques bien entretenues. Bien entretenues, 12,5 km de pistes touristiques. Donc, on peut bien marcher tout en visitant les plantes, en respirant l'air frais, et puis on marche. On marche. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais je vous dis que nous sommes en train de développer d'autres attraits touristiques que nous développons dans ces jardins qui peuvent émerveiller les touristes, qui peuvent faciliter les touristes de bien découvrir la nature, la plante. Nous avons parlé, par exemple, nous sommes en train de construire une embarcation. C'est pour des randonnées fluviales. Nous voulons aussi aménager une passerelle, mais là, c'est seulement une idée du projet, mais nous n'avons pas encore commencé. Mais nous pensons que dès que nous aurons suffisamment de moyens, nous allons aménager une passerelle pour que puisse permettre aux scientifiques, aux enfants, de voir la canopée. C'est-à-dire que la partie qui est au-dessus là des arbres, cette partie-là, il y a une vie terrible. Nous voyons ça seulement à la télévision. Vous voyez les scientifiques qui font de grandes recherches, des recherches au fin fond des forêts, ils voient ça. Mais ici, Dieu aidant, nous allons aménager une passerelle qui pourront permettre parfois aux scientifiques aussi de faire des recherches. Même aux enfants, des enfants, des étudiants, le grand public, de voir la canopée de la partie du dessus de la forêt. Très bonne information, monsieur le directeur, que vous nous donnez à partir de là. Mais parmi des éléments qui nous touchent, comme vous venez de dire, c'est un jardin botanique, premièrement ce sont des arbres. Et parmi des plantes, vous nous citez les plantes qui permettent la production de chenilles. Nous savons déjà qu'au Congo central, il y a presque plus de forêts pour où chaque fois, à la période probable, les gens allaient dans des forêts pour ramasser des chenilles et ramener à faire des consommations. Mais aussi au sein des jardins botaniques, vous avez des arbres qui permettent la production des chenilles. Alors, vous pouvez quand même nous expliquer comment ça se passe. Il suffit seulement d'avoir cet arbre-là dans votre parcelle, vous avez des chenilles, il y a d'autres formules qu'il faut ajouter. Ça se passe comment ? La nature s'est organisée, il y a des chenilles qui utilisent des plantes, ces plantes-là. Donc, comme hôte, c'est pour ça qu'on dit que plante hôte à chenille, comme hôte pour se développer. Mais il y a aussi des techniques d'élevage de chenilles. Donc, on prend vraiment la chenille ou les papillons, disons la chenille, on met sur... Les chercheurs savent que cette chenille utilise telle plante. Par exemple, s'il introduit une chenille et la plante quelque part que ça n'existait pas, dans un terroir que ça n'existait pas, mais dans un écosystème que ça n'existait pas, et ils prennent les chenilles en question, ils mettent sur cette plante-là, et puis les chenilles vont se multiplier, parce que c'est ainsi qu'à un moment donné, ils deviennent papillons, chenilles, tout ça. Par exemple, au niveau de ce jardin, vous trouverez les plus gros papillons au niveau de l'Afrique centrale. C'est parmi les plus gros papillons du monde. Je dis parmi, pas les plus gros, mais parmi les plus grands, donne une très bonne chenille. Et j'ai oublié les noms scientifiques des papillons, mais nous avons les spécimens au niveau de notre herbier. Au niveau de notre musée, je voulais dire, de ces papillons-là, dont les plus gros, souvent il est nocturne, on les voit que souvent la nuit. Et la journée, vous pensez qu'il n'est pas là, mais c'est souvent la nuit, quand vous mettez un dispositif approprié, vous pouvez facilement les voir. Donc les plus gros papillons au niveau de la Afrique centrale, mais parmi les plus gros papillons au monde. Et aujourd'hui, il y a des gens aussi qui maîtrisent la technique de culture, d'élevage de ces papillons-là. Parce qu'ils donnent quand même une très bonne chenille qui est riche. Vous savez que les chenilles sont riches en protéines animales. C'est ça. Oui, monsieur le directeur, déjà, ça, ce sont des éléments ou des atouts du jardin botanique de Kisantu.
En dehors de tout ce que vous venez de citer, vous avez parlé, lorsqu'on a constaté à Kinshasa, il y a eu une forte croissance de la population, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient toujours habiter Kinshasa, et on a aussi pensé au jardin botanique. Vous voulez nous affirmer que la majorité des plantes qu'on a à Kinshasa, pour embellir soit le riz, pour atténuer les effets de CO2, parce que la plante aussi contribue dans le problème du changement climatique, provient du jardin botanique de Kisantu. Aujourd'hui, le jardin botanique Kisantu a contribué au développement de beaucoup des écosystèmes forestiers. Beaucoup de conseils forestiers que vous voyez pullulés par-ci, par-là, parce qu'il faut quand même reconnaître que les gens prennent conscience. Il y a des gens qui ont pris conscience, hein, qui sont tentativement de planter. Beaucoup de ces matériels végétaux viennent de ce jardin. Comme je vous ai dit, parmi les plus grandes spécificités de ces jardins, dans les 225 hectares, vous trouverez des essences locales et des essences exotiques. C'est ça qui donne la facilité à multiplier et à vulgariser. C'est ça vraiment qui donne cette facilité-là. Parce que dans d'autres jardins, c'est difficile de trouver dans d'autres jardins la spécificité du jardin botanique de Kisantu, où vous avez dans les 225 hectares des essences locales et des essences exotiques. Même beaucoup des ornementales arbres, des ornementaux arbres que nous voyons à Kinshasa, ça se trouve aussi ici. Vous le verrez ici. Donc on a multiplié, malgré que nous devons développer maintenant la multiplication végétative. Ça, c'est vraiment très important. Nous devons développer la multiplication végétale, c'est-à-dire qu'avoir aussi des installations appropriées pour développer la multiplication végétative. Donc, quand je parle de la multiplication végétative, ça utiliser les autres parties des plantes hormis la graine. Hein? C'est pour ça que nous parlons de la multiplication végétative. Par exemple, on peut utiliser un morceau de branches, tout ça. C'est ça. Donc, pour vous dire que le jardin joue vraiment un rôle, continue à jouer un rôle très important dans beaucoup des concessions forestières que nous sommes en train de voir pulluler par-ci, par-là. Et nous félicitons les gens qui viennent au jardin pour se procurer du matériel végétal, les gens qui développent des conseils forestiers, et ces gens-là doivent être fondés parce que ces gens contribuent à la lutte contre le réchauffement global. Oui, mais ces terres, ils contribuent vraiment d'une manière ou d'une autre à ces problèmes qui frappent la nature tout entière. Alors, mais la vraie question aussi, les gens, c'est où nous posons. Pour les essences locales, il n'y a pas de problème. Mais que faites-vous pour les essences exotiques? Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de l'acacia auriculiformis, qui est utilisée dans beaucoup de projets. Je ne dis pas que les premières multiplications de l'acacia ont commencé ici. C'est vrai que nous aussi, de notre côté, nous multiplions l'acacia. Mais je prends... L'acacia aujourd'hui joue un rôle très important au reboisement. Dans le domaine de l'agroforesterie, l'acacia aujourd'hui joue un rôle très important. Mais c'est une espèce exotique qui a été introduite. Mais je ne dis pas que ça a été introduit premièrement au jardin botanique Kisantu. Non. Mais parce que vous avez parlé des essences exotiques, c'est pour ça que j'ai parlé de l'acacia. Donc, l'acacia aujourd'hui joue un rôle très important au reboisement. Ça dit qu'à la lutte contre le réchauffement global, hormis ça, il apporte des revenus dans beaucoup de foyers. Hein? Parce que si vous respectez les normes, si vous suivez les normes de la gestion durable des forêts et que vous avez reboisé avec l'acacia, quand vous mettez en pratique ces normes-là,
vous pouvez utiliser un hectare, si je ne me trompe pas, un hectare d'acacia, c'est environ 1 500 $. Un hectare d'acacia, c'est environ 1 500 $, un hectare d'acacia, de les acacias qui ont été la maturité. Je pense que vous avez 1 500 $. Vous voyez. Donc, la plante en soi, il est en train de lutter contre le réchauffement global. Hein, et d'autres biens services fournis, fournis à la population. Mais hormis ça, il y a l'argent, le revenu. Le revenu, ça dit que vous pouvez fabriquer des makala. Hein, vous pouvez fabriquer des makala. Vous pouvez vendre les bois. Et puis la partie qui est coupée, on peut planter. L'année prochaine, on prend un autre hectare, hein, on plante. L'année là, on prend encore un. Vous voyez, vous êtes en train de faire en quelque sorte un tour, un circuit. Hein. Donc, même moment, si le plan climatique, ça séquestre le carbone, ça lutte contre le réchauffement climatique. Mais de l'autre côté, on a aussi le revenu, l'argent. Donc, je vous donne un exemple très facile à ce qui concerne l'acacia, qui est une espèce locale. Mais je ne dis pas que la multiplication d'acacia ou bien à être la première introduction dans ce pays a commencé par les gens de l'extraction. Non. Mais ce n'est qu'un exemple. Alors, comment vous faites? Vous allez dans des pays étrangers, vous achetez des graines ou soit des boutures ou comment? Ou soit vous avez ici les sources qui vous fournissent des semences pour introduire ces espèces exotiques? Comme je vous ai dit là, créé en 1900, ça dit que nos prédécesseurs ont eu tout le temps d'échanger des semences avec les autres jardins botaniques et institutions de recherche. Pas seulement de la RD Congo, mais les autres pays du monde. Donc cet échange-là de semences, cet échange d'informations a fait qu'il y a eu beaucoup d'introductions dans ces jardins. En principe, nous produisons un document qu'on appelle Index Simenum. Et dans Index Simenum, c'est en latin, mais dans ces documents-là, nous avons la liste des espèces qui produisent des graines, par exemple. C'est ça qu'on appelle index simenum, qui produisent des semences. Nous avons ça. Donc ici, il n'y a pas de semences disponibles. Ce n'est pas disponible pendant l'année. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez savoir que non, ce jardin peut disponibiliser, à partir de ce jardin peut disponibiliser les semences de ces espèces-là. Vous voyez? Et il y a des instituts de recherche, il y a des jardins botaniques qui produisent ça. Mais nous avons une banque de graines. Nous faisons la phénologie. Nous faisons la phénologie. Et nous avons aussi des différentes informations sur les espèces qui nous donnent des semences. Par exemple, tel mois, nous avons telle espèce. Mais par manque de moyens, nous ne savons pas vraiment produire. Ici, je voulais dire publier l'index Simenum. Produire l'index Simenum, c'est-à-dire que c'est dans la version électronique, il y en a. Dans la version électronique, nous avons notre liste. Hein. Mais produire comme une publication, mettre ça à la disposition du grand public, là, nous ne savons pas le faire parce que ça demande quand même pas beaucoup de moyens. Ça demande quand même de moyens parce qu'il faut les envoyer dans d'autres jardins botaniques du monde. Hein. Ici, il y a des gens qui viennent pour les informations. Hein. Nous mettons à leur disposition les informations nécessaires. Mais échanger les informations avec les autres institutions de recherche botanique, échanger les informations avec les jardins botaniques des autres pays du monde, l'Europe, les États-Unis, tout ça, en Asie, ça, c'est vraiment difficile pour nous. C'est vraiment difficile. La question, comme nous sommes en train de parler de l'attraction touristique des jardins botaniques de Kisantu dans notre émission Equistique, vous pouvez nous dire, M. le directeur, est-ce que les gens visitent les jardins botaniques de Kisantu? Oui, les gens visitent les jardins botaniques de Kisantu. Nous avons remarqué, avec l'évolution de la situation dans notre pays, il y a une certaine reprise des visites.
Donc les gens visitent les jardins. Vous savez, si le secteur touristique ne procurait pas de l'argent, on n'allait pas voir plus de sites touristiques qui sont en train de pilluler par-ci, par-là. Moi, je suis à la télévision, je vois. Donc, c'est un secteur porteur, un secteur qui peut porter beaucoup dans l'économie de notre pays. Et nous devons organiser cela parce que potentiellement, nous sommes riches. Potentiellement, nous sommes riches. Donc, c'est suffisamment exploité, les touristes peuvent visiter pas seulement les jardins botaniques, les autres aires protégées, les autres sites. Mais les jardins botaniques sont tous et visités. Malgré si on voit potentiellement les nombres, la population que nous avons au niveau du Congo central, je prends seulement le Congo central et la ville de Kinshasa, en termes de pourcentage, les jardins n'est presque pas visité. Timidement, vous allez voir les écoles qui viennent. Je dis, mais timidement, vous allez voir. Mais parce que quand on voit la population de la ville de Kinshasa, avec les écoles qu'il y a et des universités, mais si toutes ces écoles, ne fût-ce que 50% de ces écoles-là, même 10%, je ne dirais pas, même 10% de ces écoles-là pouvaient visiter les jardins, des écoles, des universités, les instituts supérieurs pouvaient visiter le jardin. Je pense qu'on atteindrait plus d'un million de visiteurs. Mais l'année passée, on avait à peu près, si je ne me trompe pas, 38 000 visiteurs. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Si je ne me trompe pas, hein, mais on n'a pas dépassé 40 000. Et puis si nous avons atteint ce chiffre-là, parce qu'on avait travaillé localement avec les PSP. Nous avons travaillé localement avec les PSP. Mais avant, l'année 2017, je pense que c'était autour de 25 000. Hein? Mais si on doit comparer les premiers trimestres 2018 et les premiers trimestres 2017, mais cette année, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Il n'y a presque pas de visites. Presque pas de visites. Parce que si par jour, vous avez 15 visiteurs, 20 visiteurs, la moyenne. C'est rien. Mais nous apprenons à la télévision Yellowstone qui vous fait plus d'un million de visiteurs par an. Plus d'un million de visiteurs. Vous voyez? Est-ce que les gens d'abord connaissent mieux les jardins botaniques qui sont? Parce qu'il n'y a que des gens qui se déplacent facilement, qui font des tours jusqu'ici. Parce que d'ailleurs, dernièrement, nous avions même interviewé l'ancien ambassadeur de l'Union européenne qui disait que je ne savais pas qu'il y a les merveilles cachées tout près de Kinshasa, qui est le jardin botanique de Kisantu. Est-ce que les gens vraiment connaissent bien le jardin botanique de Kisantu? En dehors de ceux qui sont ici à Kisantu, ceux qui sont à Kinshasa, est-ce que les grands nombres connaissent le jardin botanique de Kisantu? Non. Le résultat, c'est quoi? C'est par le nombre de visiteurs. D'abord, la culture touristique. Nous n'avons pas la culture touristique. Ça, c'est un. Bon, les expatriés, les blancs ont la culture touristique. Nous n'avons pas. À part une certaine classe, hein, d'une façon générale, nous n'avons pas la culture touristique. Il y a beaucoup de présentateurs qui font qu'on ne connaît pas la culture touristique. Bon, les gens disent, oh non, vous ne savez pas, vous ne faites pas assez de publications. Publicité plutôt. Je n'adhère pas vraiment. C'est vrai, ils ont raison aussi. Nous ne faisons pas assez de publicités. Mais ce n'est pas vraiment la raison primordiale. Nous sommes beaucoup plus attirés par quoi? Quand vous regardez la télévision, les gens sont beaucoup plus attirés par la musique. La musique, la prière. Maintenant, il faut parfois développer des stratégies dans la musique, qu'on puisse parler aussi parfois de la nature. Ou bien dans des prières, hein, que les gens, qu'on puisse glisser. On peut réfléchir, hein, comme c'est ça qui est beaucoup plus suivi par la population, on peut réfléchir là-dessus, comment introduire l'aspect environnement, l'aspect et touristique. Ça, c'est à réfléchir. Mais maintenant, nous sommes en train de réfléchir avec une ONG locale, des étudiants, disons des enfants qui ont étudié, ceux qui ont étudié, qui viennent de terminer l'université. La beauté de la nature dans la photographie.
Hein? Donc, les jeunes gens aiment ça. Hein? Ils aiment ça. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus avec cette ONG locale de jeunes gens. Et puis, j'ai été surpris, les étudiants sont attirés, même les élèves. Moi, je ne savais pas que la beauté pouvait, plutôt la photographie pouvait attirer autant les jeunes gens. Quand c'est bien présenté avec la méthode, je ne sais pas si c'est une méthode ou un logiciel qu'on appelle shooting. Ça, ce sont les jeunes qui connaissent ça. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais ici, c'est maintenant la beauté de la nature dans la photographie. Vous voyez, ouais. Mais maintenant, il y a les gens qui viennent, les étudiants. Vous savez, les étudiants, on ne demande pas assez, ils demandent 1000 francs. 1000 francs seulement. Nous sommes en expérimentation. Nous pensons que ça va évoluer. Et comme nous avons fait avec les PSP localement, maintenant nous avons voulu, nous sommes en train de formaliser. Ce qu'on a fait avec les PSP, nous sommes en train de les formaliser. C'est pour ça qu'il y a une certaine diminution des enfants. Mais nous pensons que l'année prochaine, surtout l'année prochaine, si nous arrivons à mettre un cadre de collaboration, sûrement il y aura beaucoup d'élèves qui vont visiter le jardin botanique de Kisantu. Donc, ici, en bref, à Kinshasa, les gens sont beaucoup plus... Quand ils parlent match, oui. Maintenant, il faut penser match. Quand on parle musique, il fait le voir. Quand on parle prière, mais non, est-ce que... L'aspect touristique. L'aspect, on montre les jardins botaniques, ou bien on montre... Parce que à la télévision, je vois quand même les émissions. Il y a quand même des émissions sur l'environnement, le tourisme, la conservation de la nature. Je vois quand même des émissions. Donc, on en parle quand même. Mais les jeunes gens... Quelqu'un de Kinshasa, quand on montre par exemple une autorité, prenons par exemple, on montre mon patron, le directeur général de l'UCCN, le pasteur Cosma, a parlé par exemple de la conservation de la nature, des aires protégées, tout ça. Est-ce que les jeunes gens vraiment s'y intéressent? Ça vraiment, ça demande quand même une étude. Ça demande quand même une étude pour savoir réellement si les gens s'y intéressent. Parce que timidement, pas seulement lui, il y a d'autres personnes qui passent quand même. Ils en parlent. Mais les gens vraiment s'y intéressent. Bon, comme il y a un début, c'est bien, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. C'est ça, c'est vraiment positif. Nous savons qu'avec le temps, les gens finiront par adhérer, par suivre. Monsieur le directeur, quand le gens regardent l'aspect d'abord du jardin botanique de Kisantu, des fois aussi, ils ont peur. Ils se disent que mais cet endroit-là, très bien aménagé comme ça, est-ce que moi, j'aurai des moyens pour y entrer? Peut-être que ce sont des éléments auxquels les gens se font déjà peur avant d'affronter le milieu. Est-ce que vous pouvez quand même dire aux fidèles téléspectateurs de la radio Télé Environnement et Conservation de la Nature, aussi aux amis qui aiment beaucoup les questions, que les jardins botaniques de Kisantu n'écoutent pas les droits d'entrée et c'est, on paye que des frais ordinaires qui ne dépassent même pas, je crois pas que ça dépasse 5000 francs. Les prix ont été fixés à la direction générale de l'ICSN. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces prix-là que nous utilisons. Ce sont ces prix-là. Et les prix, si je ne me trompe pas, les prix ont été fixés quand les dollars avaient les taux, je pense, de 920. Mais maintenant, c'est 1650. Mais c'est toujours 2500. 2500 pour, 2500 francs congolais, pour les adultes. Les adultes nationaux. Ouais. Les adultes expatriés, c'est 5000 francs congolais. Seulement, mais je demanderai aux adultes expatriés, parce qu'il y a eu beaucoup de réclamations de ce côté-là. Nous sommes en train de mener et de soumettre la problématique aux autorités, à l'autorité de l'ICSN, pour qu'on puisse uniformiser. Parce qu'ils disent que, c'est une discrimination, comment les adultes expatriés doivent payer plus cher que les adultes nationaux. Disent que c'est une discrimination. Là, nous allons mener des démarches et soumettre les problèmes
à l'autorité de l'ICSN, donc qui se tranquillise. Mais les enfants, les enfants payent 1000 francs. Seulement, les 1000 francs qu'ils achètent des bonbons, c'est le droit d'entrer dans ces merveilles. Oui, 1000 francs. Mais ce qui est malheureux, veuillez m'excuser, parfois vous serez dessus, nos bons payeurs, ce sont des expatriés. Ah bon? Oui. Nos bons payeurs, c'est pour ça que je dis que c'est un problème culturel. Ouais. L'expatrié qui arrive ici, il est vraiment conscient de payer. Hein? Il ne marchande même pas. Mais nos frères nationaux, les nationaux congolais, disons les nationaux, quand ils arrivent, ils doivent marchander. Donc même pour 2500 francs, les gens arrivent toujours à marchander. Ils doivent marchander. Parfois, nous acceptons jusqu'à 1500 francs. Ah bon? Tellement qu'il n'y a pas de l'engouement. Il n'y a pas de l'engouement. S'il y avait engouement, là, on pouvait être... parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. Là, nous sommes obligés, parfois, d'accepter jusqu'à 1500 francs. À 1500 francs par personne. Bon, c'est un problème... Comme je vous ai dit, la loi de l'offre et de la demande, donc il n'y a pas vraiment de l'engouement, nous acceptons. Mais les nationaux, les adultes nationaux payent 2 500, les adultes expatriés 5 000 francs, les enfants payent 1 000 francs. Alors, M. le directeur, il y a aussi des éléments très importants que nous devons relever. En dehors des arbres que vous avez au sein du jardin botanique, vous avez le musée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce musée? Hormis, parce que je dis que le jardin botanique, c'est d'abord la collection des plantes, c'est d'abord les plantes. Parce que nous parlons beaucoup plus des essences, des plantes cultivées, des plantes cultivées, de ce qu'on dit des plantes vivantes. Des plantes vivantes. Mais nous avons aussi des collections sèches, des plantes sèches, pour ne pas dire mortes, donc des plantes sèches. Il y en a, nous avons les musées, mais surtout l'herbier. Dans notre herbier, nous avons plus de 8000 spécimens. Ah bon? Et l'installation est bien est vraiment indiquée parce que nous respectons quand même les normes dans notre herbier. Bien conservés, nos spécimens sont bien conservés. Dans les musées, nous avons des produits végétaux. Il n'y a pas seulement des produits végétaux, il y a d'autres aussi produits d'animaux. C'est bien conservé. Donc, hormis les collections vivantes, nous avons aussi les collections sèches. Nous avons vu même des babouins ici au sein du jardin. Vous voulez créer notre jardin zoologique au sein du jardin botanique? Merci pour la question. Cela n'est pas exclu dans un jardin botanique qu'il y ait des animaux. Et ce que nous devons savoir, que tout marche de pair. Même dans l'agenda 21 relatif au jardin botanique, il y a des recommandations. Et des recommandations qu'on puisse des recommandations qui encouragent qu'on arrive à voir des animaux dans un jardin botanique. Et à ce concept, le jardin botanique, mais le jardin botanique est dans un milieu, dans un environnement tel que les gens pratiquent beaucoup de déboisement. Les gens sont en train de couper en désordre les plantes. C'est à 120 km de la ville de Kinshasa. Il y a un problème de bois énergie. Il y a un problème de bois de chauffe. Quand il y a un petit massif forestier, les gens coupent pour fabriquer les makala, pour démorceler, avoir des petits bois, fagots, et puis pour vendre à Kinshasa. Parce qu'au niveau de la ville de Kinshasa, il y a un problème de l'énergie. Donc maintenant, les gens font seulement quelques mètres, ils viennent ici, dans l'ex-district de Lukaya, on est en train de couper pour ça. Cataracte, on est en train de couper pour ça. Donc, c'est un problème qui est vraiment réel. Et c'est pour cela que maintenant, tellement qu'on est en train de déboiser, par-ci, par-là, au même moment, les gens pratiquent la chasse. Il y a des permis de chasse, de calibre 12. Il y a un problème de feu de brousse. Les gens mettent le feu, les petits animaux, même les rats, les cymbliques de Olacode, vous allez voir qui s'échappent, on tire là-dessus. Ça dit qu'il y a presque plus d'animaux dans les deux ex-districts, Lukaya
et cataracte. Il n'y a presque plus d'animaux. Maintenant, il faut quand même un outil de sensibilisation. Là où les enfants peuvent quand même voir les animaux. Les enfants voient souvent les animaux à la télévision. Maintenant, le danger est que les enfants commencent à voir un grand arbre seulement au niveau de la télévision. Mais c'est très dangereux. Il faut aménager un endroit. Aménager vraiment un endroit par lequel, quand les enfants viennent, ils voient, ah, l'animal qu'on a vu à la télévision, mais il est ici. Ah, tel animal, il est ici. Donc ça devient un souci de sensibilisation. Cependant, nous profitons pour les sensibiliser. Donc ça devient un outil de sensibilisation de la protection de la faune sauvage. Les plantes et les animaux marchent de pair. Vous conservez les plantes, vous conservez les animaux. Vous voulez conserver les animaux, il faut conserver les plantes. Parce que les animaux vivent dans un habitat où il y a les plantes. Vous voyez? Où il y a les plantes? Donc, c'est pour ça que dans ces jardins, comme modèle d'une grande forêt, d'une forêt plantée, nous avons aménagé un mini-zoo. Le mini-zoo, c'est un outil tout simplement de sensibilisation de la protection de la faune sauvage. Alors ici, monsieur le directeur, quand vous parlez déjà des mini-zoos, qui était l'outil de sensibilisation pour les animaux, et les jardins botaniques de Kisanto forment en quelque sorte déjà une forêt, il y a aussi des espèces qui se sont introduites d'eux-mêmes au sein du jardin sans qu'ils soient amenés. Donc, ce sont des espèces, je parle bien sûr de la faune, qui se sont introduites d'eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé un habitat. Mes chers amis, actuellement, le jardin botanique Santo est au centre de la ville d'Inkissi. Je dis bien au centre de la ville d'Inkissi. Quand vous circulez, c'est très difficile de voir un massif forestier pareil avec des grands arbres. Mais l'animal aime être en sécurité. L'animal aime être là où il peut facilement se mouvoir. Mais c'est pour ça qu'ici, vous trouverez quand même des gazelles, des oracodes. Il y en a. Mais ce qui est malheureux, je vous ai dit, nous sommes au centre de la ville. Nous sommes entourés par la population. Il y a toujours des petits, des malfrats qui s'introduisent avec des calibres 12, avec des chiens. Ils entrent au jardin sans autorisation. D'abord, nous sommes une aire protégée. Cela n'est pas permis. Dans une aire protégée, pratiquer la chasse, ce n'est plus une aire protégée. On ne peut pas pratiquer la chasse dans une aire protégée. Est-ce que la population sait que... La population sait bien que c'est une aire protégée. Nous sommes en train de sensibiliser. Ils savent que c'est une aire protégée. Nous sommes en train de sensibiliser par les médias locaux. C'est que c'est le jardin botanique de Kisanto, ce qu'il représente pour la population locale. Mais je vous dis que les inciviques ne manquent pas. Ils s'introduisent avec des chiens plutôt. Ils pratiquent la chasse. Mais il nous arrive aussi de les attraper. Donc, c'est du braconnage. C'est condamnable par la loi. Donc, c'est lui qui pense que lui, là, la liberté, il peut s'introduire dans au jardin botanique qui s'entre avec un fusil calibre 12 pour venir pratiquer la chasse. Si nous l'arrêtons, nous le mettons à la disposition des instances judiciaires. Et là, il va payer de grosses amendes. Donc les gens doivent savoir que les jardins botaniques Santo, c'est une aire protégée comme toute autre aire protégée qui est gérée conformément aux dispositions légales en vigueur de la République démocratique en matière de la conservation de la biodiversité. Alors, monsieur le directeur, vous donnez très bien ces explications et que les gens déjà comprennent qu'ils doivent aussi respecter cette aire protégée, tout en rappelant à ceux qui nous suivent déjà que vous êtes en train de suivre votre émission équistique où nous parlons de l'attraction touristique du jardin botanique de Kisanto. Et ici, nous avons reçu le directeur chef des sites de ces jardins botaniques, M. Erickson Malouek, qui nous parle de cette attraction touristique. Alors, M. le directeur, je reviens à vous.
écologiquement, ceux qui viennent visiter le jardin botanique comme des touristes qui viennent passer un jour, deux jours, quatre jours, même une semaine pour ceux qui sont en vacances, qu'est-ce qu'ils bénéficient? Vous savez, la nature, d'abord, quand vous regardez la nature, cette beauté vous procure quelque chose. Quand vous regardez la nature, nous sommes ici ensemble, vous remarquez que même l'air que nous sommes en train de respirer, on le sent que cet air n'est pas pollué. Pour preuve, quand vous regardez nos arbres, vous remarquez que c'est plein de lichens. Les lichens, ce sont des êtres vivants, bio-indicateurs de la pollution de l'air. Ils jouent un rôle très important. Ce sont vraiment des bio-indicateurs de pollution de l'air. Hein? Vous remarquez que c'est plein de lichens. Même si on faisait le prélèvement de ces lichens, hein, pour connaître si l'air est... En faisant le dosage de ces lichens-là, hein, ça peut nous donner quand même des indications, des informations, si l'air du jardin est pollué ou pas. Vous allez voir que quand même sur nos arbres, il y a plein de lichens. Ce sont des bio-indicateurs de la pollution de l'air. Si nous faisons le prélèvement de ce lichens-là, nous faisons le dosage, ça peut quand même nous renseigner si la pollution, hein, au niveau du jardin botanique de qui sont. Mais l'information sur que l'air de ce jardin n'est pas pollué. Donc, les arbres jouent un rôle très important. Vous voyez l'ombrage. Comment nous sommes calmes ici. Comment c'est calme ici. Parce que l'ombrage est là. Il n'y a presque pas de bruit. Presque pas de bruit. Vous savez, on ne peut pas bien réfléchir quand il y a des bruits. Mes chers amis, il faut qu'on se le dise. Avec les tapages que nous avons dans nos grandes agglomérations, mes chers amis, c'est difficile qu'on forme des savants. C'est difficile qu'on forme des gens intelligents dans les bruits. Mes chers amis, ça c'est... Je pense bibliquement aussi, hein, il y a un passage biblique où on voulait connaître là où il y avait Dieu. On a fait passer beaucoup de choses, mais c'est là où il y avait le calme. C'est là où on disait que c'est là où il y avait les dieux. C'est-à-dire que le calme, c'est calme qu'on sent. Ça nous procure quelque chose. C'est vraiment un bien. C'est calme. Ça vous permet parfois de bien réfléchir. C'est calme. Cet air, cet ombrage. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est beaucoup. Hormis ça, il y a d'autres biens services qui sont fournis par les plantes, par les forêts. Il y en a beaucoup. Mais j'ai seulement pris un exemple très facile. Cet air, c'est calme, cet ombrage, cette beauté. Vous savez, quand vous avez des maladies un peu compliquées, là, des maladies physiologiques, quand vous venez souvent vous reposer dans des lieux pareils. Mais vous pouvez facilement aussi devenir intelligent. Vous voyez, les prêtres, disons les religieux, ces gens-là, ils sont intelligents, ils sont sages. Mais qu'est-ce qui fait que, d'une façon générale, ce sont des gens qui réfléchissent bien. D'une façon générale. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là réfléchissent bien? Regarde là où ils sont, là où ils logent, là où ils vivent. Faut voir là où ils vivent. Bien aménagé. Il y a des plantes. Il y a le calme. Mais quelqu'un qui vit dans ce genre de conditions, ce n'est que normal qu'il soit intelligent. Ce n'est que normal. Hein? C'est vrai que... pas tout le monde, mais d'une façon générale. Ce n'est que normal, vous voyez que ces gens réfléchissent bien. À ces gens. Pourquoi? Parce que... là où ils vivent, ces conditions-là permettent quand même qu'ils atteignent ces qu'ils manifestent ce genre de capacités. Alors, monsieur le directeur, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je crois que vous avez aussi des projets d'avenir par rapport au jardin botanique de Kisantu, surtout
pour ce qui concerne l'attraction touristique. J'espère que vous avez déjà évoqué ça au départ, mais c'est mieux d'expliciter ça en quelques mots, ce que vous comptez faire afin d'attirer davantage la population ou le touriste vers ces jardins. Le projet d'avenir, nous devons finaliser la construction de l'embarcation pour matérialiser notre projet de randonnée fluviale. Nous devons finaliser le projet de la construction, ça c'est la direction générale de l'UCSN, finaliser le projet de construction de chalets et puis aménager la passerelle. La passerelle et améliorer d'autres activités, par exemple, surtout l'entretien. Bon, vous parlez des projets d'avenir, donc je pense que ce sont les trois que je viens de citer. Finaliser l'embarcation, hein? Finaliser la construction des chalets, du chalet, et puis ce que nous pensons, aménager une passerelle pour la vue aérienne de la canopée. C'est directeur, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais un dernier mot pour ce numéro d'Équistique. Ici, nous voulons remercier les autorités de la République démocratique du Congo, en commençant par Son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que dans ces différents propos, nous sentons qu'il s'intéresse également à la conservation de la biodiversité, à la protection de l'environnement. Et puis nous sommes nos profondes gratitudes au pasteur Cosma, mon patron. Cosma Wilungula, je voulais dire Cosma, le pasteur Cosma Wilungula, mon patron, qui est le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Vous savez, depuis qu'il est à la tête de cette institution, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Aujourd'hui, l'UCSN est connu. L'UCSN est connu. Les gens savent qu'il y a une institution qui s'appelle Institut congolais pour la conservation de la nature. Et nous qui sommes ses agents, ses adeptes, nous sommes vraiment bien coachés. Lui, c'est notre coach. Nous sommes bien coachés. Raison pour laquelle nous suivons son exemple pour la conservation, dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Voilà, c'est la fin de notre numéro d'Équistique qui vous a parlé de l'attraction touristique des jardins botaniques de Kisantu, où nous avons été reçus par le directeur chef de site, M. Erickson Maloué, qui nous a parlé en long et en large. J'espère que vous avez très bien compris. Le prochain numéro, c'est dans le prochain jour. Mais si vous avez aimé, dites merci à Redi Mouvoumou qui a réalisé cette émission, sans oublier à Rodrigue Bonda, pourquoi pas Job Bassaï, et à la régie Junior Selemani. Au revoir. Thank you.